aujourd'hui, j'ai une manifestation à un mariage pour 100 personnes. Et on a prévu qu'on menait un repas méticien, en fait. Une entrée, un plat entier et un dessert oriental. Donc pour le plat, c'est une salade au poisson fumé ananas qu'on va dresser tout à l'heure. J'attends que les invités soient tous à table. Et ça sera suivi avec le plat principal. C'est le poisson vivano farci au saumon et caillé aux bananes jaunes. Je vais vous le filmer tout à l'heure. Et le gigot. Et aussi comme accompagnement, c'est riz à l'indien avec des amandes, des raisins, ça fait un goût salé sucré. Gratin, fruits à pain et christophine. Et les billes de légumes, de patates douces et jérôme. Ça sera comme ça. Tiens, ça a composé de riz, de gratin. De billes de légumes. Et voilà, c'est le poisson au saumon et taillé au banane jaune. Voilà l'assiette de plat principal pour mes clients, composé de riz indien, gratin, fruits à pain, poisson farci au saumon, les billes de légumes et bien sûr avec une petite sauce à la fin. Merci et bon appétit. Voilà, on a préparé une variété orientale. Aujourd'hui, j'ai fait une riba à menthe citron, une corne de gazelle au sésame, une macrotte aux dattes. Pourquoi je précise aux dattes? Parce qu'on peut le farcir avec les fruits locaux comme maracuja, ananas, guayabe, etc. Ça sera le thé gourmand avec la pâtisserie orientale. C'est un mariage métissé, Maroc-Antilles. Merci. C'est là où il va se dérouler le mariage. C'est un mariage pour 110 personnes. C'est un mariage adventiste. On est en Guadeloupe. C'est pour ça qu'on travaille avec les fruits halal aujourd'hui. Donc voilà, une belle salle avec piscine, avec un grand bar, une bonne cuisine, une belle terrasse. Franchement, on est bien ici.